quel est le critère le plus important dans votre investissement locatif? Je vais vous donner ma réponse et ma vision dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On est aujourd'hui à Paris, 11e arrondissement, dans un square, un jardin, pas très loin du siège social de la société. Et je voudrais aujourd'hui en profiter pour vous répondre à cette question parce que vous avez été plusieurs à me solliciter sur quel est le critère, à mes yeux, le plus important pour un investissement locatif. Et il faut être conscient que le critère le plus important, c'est l'emplacement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce critère, l'emplacement? Ça veut dire que si vous êtes dans une ville où le marché est extrêmement tendu, l'entièreté de cette ville-là va fonctionner, il n'y aura pas de difficulté. On pense bien sûr à toutes les grandes métropoles, toutes les grandes villes présentes en France. Je ne vais pas les citer, mais vous avez les 20-30 premières grosses villes où vous n'aurez pas de difficulté majeure d'emplacement parce que tout simplement, il y a une activité économique si vous êtes dans le centre et que du coup, ça se loue, il y a une tension du marché locatif suffisante si bien sûr vous êtes cohérent en termes de prix. Quid et qu'est-ce qui se passe quand on va dans des villes un petit peu plus petites et comment est-ce que ça se passe en termes d'emplacement? Dans ce cadre-là, il va falloir faire attention véritablement à l'emplacement, c'est-à-dire est-ce que vous êtes à proximité ou loin, par exemple, des transports, des bus, des écoles, des commerces, de la vie économique, tout ce qui fait que votre locataire va être intéressé de louer parce qu'il y aura une activité économique, parce qu'on pourra se rendre facilement à son domicile, donc à votre investissement locatif, et également est-ce qu'il pourra se rendre facilement à son travail. Donc ces sujets-là et cet emplacement va être vraiment important dans des villes où la tension du marché est vraiment moindre. Faites également attention à l'emplacement dans la copropriété. Donc dans des villes pareilles, de tout ce qui est Lyon, Bordeaux, Paris, toutes les grosses villes, Marseille, il y a une tension du marché qui est suffisante, il y a une activité économique. Donc l'emplacement dans la copropriété, que vous ayez un rez-de-chaussée, rue, cour, un étage élevé sans ascenseur, vous allez arriver à louer si c'est cohérent en prix, c'est-à-dire s'il y a une légère minoration du prix qui est effectuée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de locataires. Maintenant, si vous êtes dans des zones un petit peu plus calmes et que vous êtes au-dessus d'un restaurant, au-dessus d'un bar, dans une ville où les locataires ont le choix sur le produit, bah forcément, ça va être un très gros défaut dans des villes où la tension du marché est beaucoup plus faible. C'est bien entendu beaucoup moins le cas dans des grosses villes, Lyon, Paris, Marseille, parce que comme la location, vraiment, le marché est extrêmement tendu, bah ça en fait effectivement tout de même un défaut, c'est une réalité. Mais pour autant, bah, tous les premiers étages au-dessus d'un bar ou des restaurants à Paris, à Lyon ou à Marseille ne sont pas vides et au contraire sont remplis parce que les gens doivent de toute manière se loger. Donc il faut vraiment regarder dans des villes où la tension est moindre, de ne pas avoir un défaut significatif qui ferait que vous allez avoir énormément de mal à louer. Et donc, c'est vraiment ce critère de l'emplacement, à la fois au sein de la ville et avec tous les attraits qu'il y a autour de votre appartement, mais également l'emplacement au sein de votre immeuble ou de la copropriété. La finalité, et c'est ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est vraiment la location, c'est que c'est la fluidité, la facilité que vous allez pouvoir louer votre bien qui va vraiment énormément vous faciliter votre investissement locatif et qui ne va pas vous faire galérer à vous épuiser, à faire passer locataire sur locataire et à chaque fois, ils ne vont pas forcément vouloir louer votre appartement. Je suis persuadé que cette vidéo va aider toutes celles et ceux qui avaient besoin d'éclairage sur cette problématique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « s'abonner » et la petite cloche « notification » pour recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo et je vous invite à mettre votre avis également en commentaire pour que cette vidéo puisse profiter à l'ensemble de la communauté qui souhaite s'améliorer et qui souhaite demain avoir des résultats extraordinaires en immobilier. À très bientôt, ciao.